Elle tourne l'horloge. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour cet arrêt sur télévision qui va pas être un arrêt sur la télévision mais qui va être un arrêt sur un an. Un an, c'est le chiffre du jour, de la semaine, du mois. C'est le chiffre de Génération Télévision puisque demain, 1er juillet, nous fêterons les 1 an de la chaîne. Voilà. Alors je fête pas les caps abonnés, enfin c'est vraiment pas mon truc ça, mais alors fêter l'anniversaire c'est quelque chose d'important. Donc on y est, c'est la vidéo de l'anniversaire aujourd'hui. Hier c'était à vous de parler, aujourd'hui c'est à moi de m'exprimer, de vous dire mon ressenti après cet 1 an et puis de vous parler un petit peu de ce qui va arriver cet été, bien sûr. C'est sans chichi, très très simple. Alors, je suis pas là non plus pour remémorer les moments, tout ça, c'est pas trop mon truc non plus. Enfin, ça sera à la fin quand on arrêtera tout. Mais voilà, on n'y est pas encore. Donc ça fait un an, là, ça y est, les 1 an de Génération Télévision. On a commencé le 1er juillet 2017. J'avais 300 abonnés. Et nous sommes donc maintenant à 1700 abonnés, plus de 1700 abonnés. Et ce n'est pas fini, heureusement. On va encore s'agrandir et c'est toujours un immense plaisir d'accueillir des nouvelles personnes, de vous accueillir ici sur cette chaîne qui est faite pour tout le monde et qui est vraiment là pour vous donner du bonheur. Mon but c'est vraiment de vous apporter un peu de bonheur tout en partageant ma passion de télévision avec vous. Ça a été le but depuis le début et ça le sera tout le temps. Alors donc, pour ces 1 an, je voulais quand même déjà vous remercier voilà, d'avoir été là, de commenter les vidéos bien sûr, de les liker évidemment. C'est pas forcément énorme tout le temps, mais enfin ça fait toujours très plaisir à chaque fois, des très beaux compliments de toute personne, voilà. Ça fait toujours très très plaisir. J'avais même eu un compliment après de, je vais pas appeler ça de mentor entre guillemets, mais il y a des gens qui m'ont inspiré évidemment dans cette chaîne YouTube, hein. Que ce soit à la télévision et ailleurs d'ailleurs, hein. Que ce soit aussi dans le monde d'internet. Il y avait des gens que je connaissais un petit peu particulièrement, que je connaissais bien, qui m'avaient félicité pour cela. Donc voilà, ça m'avait fait extrêmement plaisir et ça me fait très plaisir. Donc continuez encore à dire votre avis, que ce soit bon, que ce soit pas bon. Ça fait toujours très plaisir de voir qu'on est aimé. Voilà, tout simplement, il faut être sincère des fois. Alors évidemment, c'était 1 an de Génération Télévision, c'est la passion de la télé ici sur cette chaîne. Et ça va continuer, ça c'est le but. Alors je sais pas pour combien de temps, je garantis pas forcément que ce soit pour encore 1 an, mais enfin voilà. C'est vrai que je ne pensais pas forcément que la chaîne allait évoluer de différentes façons, je le pensais, mais pas forcément de celle-ci. Donc voilà, en tout cas je suis très content d'être arrivé à ce cap des 1 an donc sur Génération Télévision. Alors je dis les 1 an ici sur cette chaîne YouTube, après évidemment, moi ça fait longtemps que je suis sur internet avec TVDP Productions. Puisqu'on est là avec quelques membres de mon équipe depuis maintenant 6 ans, comme Baptiste par exemple qui fait les voix off des TV 168, bah vous le verrez demain, enfin vous l'entendrez demain, ça fait 6 ans qu'il est avec moi, voilà. Donc, évidemment, c'est un grand plaisir de faire ces 1 an et on va continuer encore tout l'été avec des vidéos géniales, le meilleur du meilleur, ce que vous adorez. Et évidemment, on change le décor, on passe du rose-violet au bleu ciel, on va dire. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.